Alexandre et toute l'équipe des conservatoires, la ruche des Mimosas va changer d'habillage. Aujourd'hui, on va faire le transfert dans la nouvelle ruche. Tadam ! Et voici la nouvelle ruche. On va aller sur la grotte, dans le fourmis, comme ça, dans le toit. Alors, ce n'est pas fini. Comme la ruche est en super forme, qu'elle est toute pleine. Ici, je mets de la fumée pour que les abeilles s'éloignent du bord. Nous allons poser une grille à rennes. Les abeilles nous disent on a besoin de place. Donc, je vais poser une hausse dans laquelle les abeilles vont venir stocker l'air. Au-dessous de cette hausse, je pose la grille à rennes. On en a un peu de liqueur. Personne n'est coincé. La grille à rennes qui fait que seules les abeilles ouvrières peuvent monter. Elles vont venir stocker le miel. Donc la reine reste en bas, la ponte reste en bas. Ce qui va se passer, c'est que l'espace en bas, il va avoir plus de ponte. Et donc tout le stockage du miel va se faire en haut. Et puis après, si on veut de la météo, j'espère qu'on pourra récupérer cette hausse, voire ces hausses. Est-ce qu'on peut en mettre 2, voire 3? Jamais au-dessus de 3, ça commence à devenir un petit peu haut. Ces hausses remplies de miel, on va pouvoir le récolter. Et bien sûr, en regardant qu'on est dans une logique aussi de bon équilibre avec les abeilles. Je ne vais pas récolter le miel si derrière je dois venir nourrir les abeilles en leur donnant du sirop ou ce genre de choses. Là, il y a un ours. Je m'en occupe après. Question est, où va-t-il s'installer? Alors. On va essayer de contourner. Non, pas trop haut. Vous l'entendez d'ailleurs. Je vais m'occuper de lui après. D'abord, je termine ici. Hop. Voilà. Attention. Hop. Je repose ici. Et voilà. Super. À bientôt, Mimosa. Et voilà. Les abeilles ont trouvé leur main. Il fait doux, il fait beau. Et je salue toute l'équipe des conservatoires. Alexandre, ça y est, la ruche est opérationnelle. Et les abeilles s'y sentent plutôt très très bien. C'est bon signe, j'espère, pour une excellente saison.